On se réveille le lendemain matin dans le Ryokan et on se prépare à notre dernière journée au Japon puisqu'il est temps de rentrer en France. Donc Monsieur Shirakami de TSS revient nous chercher, hein, il refait les deux heures de route, il vient nous chercher, il nous ramène à Hiroshima, on prend le train pour aller jusqu'à Osaka et de là on va prendre l'avion pour aller à Tokyo et on va changer pour aller à Paris. Donc un long voyage, hein, plus de 20 heures de voyage. Et ça nous laisse le temps de repenser à tout ce qu'on a vu pendant cette semaine. C'était assez émouvant parce que c'est une émission qu'on diffuse depuis plusieurs années maintenant, Japanimation. Là, on a enfin pu travailler avec le staff, les rencontrer, discuter de vive voix, de leur travail, du nôtre, de la manière dont on diffuse l'émission, comment sont les réactions. C'était vraiment très très intéressant et il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre chez eux. Au niveau de l'organisation, bien sûr, qui est très carrée, mais aussi la manière dont se passent les rapports entre les gens d'une même équipe, la manière dont ils arrivent à travailler ensemble pour le même projet. C'est vraiment très inspirant et ça donne envie de se dépasser encore plus, de faire encore mieux, de faire une chaîne qui mérite d'avoir des gens comme ça à l'autre bout du monde qui se donnent beaucoup de mal pour des Français qui habitent à des milliers de kilomètres et qui verront peut-être jamais. J'avais l'impression parfois qu'il y avait une certaine démesure entre ce que nous on fait ici, c'est-à-dire notre petite chaîne dans notre coin, et ce que eux ils font au Japon, c'est-à-dire une émission de télé niveau hertzien, quoi, une émission qui pourrait passer sur leur chaîne à eux. Ça m'a beaucoup frappé. Ce qui m'a aussi impressionné, c'est qu'ils étaient très reconnaissants du fait que j'étais venu au Japon. Au début, il y en a un qui m'a dit ça va, pas trop stressé. Alors j'ai dit bah si, je suis stressé à fond. J'espère que je vais bien réussir à faire ce qu'on me demande et que ça va rendre bien pour les émissions. Il me dit mais non, pas ça. Vous êtes pas trop stressé par rapport aux radiations et tout. Bah non, on est à Kyoto. Enfin ça va quoi, y a pas de souci. Et en fait, ils étaient vraiment contents de voir que en tant qu'étranger, j'étais revenu au Japon sans souci, sans stress. Et j'ai l'impression que ça leur a fait très plaisir. Hello Pivi. Salut Alex. Oh y'a aussi le gars. Et toi Kimi, ça va? Ouais ça va. C'était pas trop dur ici. Tranquille. Fatigué, ouais, bien. Merci. 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 Mer